Bonjour tout le monde, merci pour tous vos DM. Alors, cette nuit, comment ça s'est passé? Donc hier, on est allé se coucher vers minuit. Je me suis endormie facilement et Henri aussi. C'est juste que à 1h30, encore une fois, 1h30, 2h du matin, je me suis réveillée en sursaut, toujours à cause de cauchemars que je fais pas d'habitude et toujours avec cette impression que quelqu'un nous regarde. Mais c'était trop bizarre parce que cette nuit, c'était pas au bout du lit, mais c'était derrière la porte. Donc là où je me trouve en fait. Donc trop chelou. Ceci étant, j'ai quand même un peu mieux dormi que la nuit précédente, mais pas aussi bien que d'habitude ou que quand on était à Toronto par exemple. J'ai quand même l'impression que l'atmosphère est juste globalement plus lourde en fait. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je pense que je vais aller acheter des bougies blanches que je vais mettre un peu partout dans la maison. Et de l'encens que je vais laisser brûler toute la journée parce que je trouve que c'est encore très lourd. La suite au prochain épisode. Bon, ça n'a aucun sens ce haul, mais je vous montre quand même. Je vous jure, je suis pas allée chez Sephora depuis tellement longtemps parce que j'en avais pas besoin. Mais là, je suis passée devant et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est des marques que je voulais quand même tester depuis un moment. À savoir, donc, Ilia Cosmétique, j'ai pris ce sérum-là, qui est un sérum teinté avec du SPF 40 dedans, de la scopolamine, de l'acide hyaluronique et tout. Et c'est des marques engagées en fait. Donc, Ilia Cosmétique et Bite Cosmétique, c'est des marques engagées que je voulais tester. Donc, je suis assez contente de les avoir trouvées et notamment chez Sephora. Donc, je vous dirai si c'est bien ou pas parce que ça a l'air vraiment léger et plutôt cool. Chez Bite Cosmétique, j'ai pris un mascara que je voulais tester également, qu'on va voir. J'ai repris du petit shampoing sec de chez Living Proof qui est vraiment pas mal. Je l'ai pris en petit parce que pas besoin de prendre un grand vu l'utilisation que j'en fais. Et je voulais aussi tester cette marque-là, qui est aussi une marque pas très connue, mais qui a l'air vraiment plutôt clean et vraiment assez sympa, qui s'appelle Tower 28. Et c'est un petit spray pour la peau. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles.